Eh bien, bonsoir et bienvenue pour ce 69e numéro de Miasme, le magazine d'information de l'actualité spirituelle mystérieuse et étrange. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir mon ami Silvano Trotta. Salut Silvano. Salut Antoine, salut les auditeurs de Miasme. Alors, la semaine dernière, comme vous avez pu le constater, c'était une semaine où j'avais donné congé à nos amis chroniqueurs afin qu'ils puissent récupérer un petit peu. Eh bien, cette semaine, voilà, ça sera une soirée uniquement avec les chroniqueurs. Donc, nous aurons le plaisir de recevoir Amel Blanc, de recevoir Philippe du site plantalarose.com et enfin Aurore Pignonne et Dino pour finir la soirée. Voilà. Allez, on va attaquer direct avec toi, du coup, Silvano, parce qu'encore. Deux semaines d'actualité chargée sur UAT. 2 semaines, Antoine, c'est une éternité, tu sais, sur UAT. Hein. Et en plus, bah, évidemment, comme j'étais au chômage technique, puisque tu n'as pas enregistré avec moi durant cette absence, j'ai fait 3 émissions face à face que les auditeurs de Miasme peuvent retrouver sur mon propre compte YouTube. On a fait un petit triptyque. La première émission, c'est avec mon ami Amel, que tu vas recevoir tout à l'heure, sur les thérapeutes du New Age. C'est une émission où on va à l'envers des décors, des salons de bien-être, des conférences et des excursions organisées. On met le pied dans le plat, hein. Ouais, tu nous connais, hein. Tu me connais, car force est de constater l'explosion de ces soi-disant thérapeutes dans le bien-être. J'avais montré un petit fascicule, c'est juste aberrant, rien qu'en Alsace, il y a un fascicule comme ça, il y a 50 pages, il y a des centaines et des centaines de thérapeutes dans tous les domaines. Et puis, tiens, j'ai vu l'autre jour en me baladant sur Facebook un soi-disant thérapeute New Age sur Montpellier hein, qui aurait 150 000 membres qui le suivraient. 150 000 membres, c'est-à-dire parce que toute la ville de Montpellier est en schématisant, puisqu'évidemment il y a des familles avec des petits-enfants. Mais quand tu vas sur son truc, il y a à peine une vingtaine de personnes qui commentent, quoi. Un peu comme si sur UAT, avec 15 000 membres, j'en avais deux qui commentaient. Ça me ferait des vacances, mais bon, c'est pas le cas. C'est complètement risible. Le problème, c'est que certains de ces thérapeutes deviennent de vrais petits gourous, en passant sur des chaînes de Web TV, mon cher Antoine, ou Radio TV, qui ne prennent pas la peine d'enquêter sur le bien-fondé des thérapies de leurs invités. Certes, c'est pas quelque chose de facile, hein. On peut se tromper, personne n'est infaillible. Et quand j'en vois certains qui sont invités depuis des années, et alors qu'ils sont franchement mauvais, cela commence un peu à m'agacer. Alors j'ai décidé de faire des face-à-face, de face-à-face, de cette émission face-à-face, l'antithèse de ces chaînes, l'antithèse. Et oui, mon cher Antoine, je vais encore me faire plein, plein, plein d'ennemis, comme si j'en avais pas assez. On va montrer l'envers du décor, dénoncer certaines pratiques, mais aussi hein, apporter des solutions réelles, parce qu'il ne suffit pas dans la vie de critiquer, hein, dire ça c'est mauvais, ça c'est mauvais, essayer d'apporter quelques solutions efficaces, car testées. Et je vais en profiter pour faire découvrir d'autres thérapeutes totalement inconnus que j'ai eu la chance de côtoyer depuis près de 2 ans maintenant sur UAT et dont j'ai pu observer franchement leur savoir-faire qui est immense. Et cette émission a eu comme conséquence énorme et à ma grande, grande surprise de briser une certaine omerta dans ce milieu. Je t'ai déjà dénoncé plusieurs fois. Déjà dans la dernière émission, il y a 2 semaines, j'avais dit que j'avais l'impression que c'était un petit milieu qui se tenait. Hein. Ils n'aiment pas trop les nouveaux entrants. Et qui veut aussi cette omerta que celui qui passe dans les mains d'un de ses thérapeutes et qui va bien témoigne et le crie sur tous les toits. Et puis surtout, le thérapeute va le mettre en avant, site de témoignage, site de témoignage. Mais celui qui va mal, qui est brisé, qui tombe en dépression, le plus souvent, il n'ose venir témoigner. C'est ce que j'ai pu constater dans les commentaires où des personnes ont réagi en venant spontanément dire « Oui, je ne vais pas bien. Oui, c'est un charlatan. » Surtout dans mon groupe, les chroniques de Silvano, parce qu'il est plus petit. Hein, il y a 700, 800 membres. Et donc, on se sent plus en sécurité par rapport à un groupe comme UAT avec 15 000 membres. Et donc, il témoigne plus simplement en confiance. Alors tu me diras, oui, mais attends, tu viens de me dire que ces thérapeutes avaient des succès vu qu'ils ont des témoignages. Ben oui, alors, il faut que tu saches, mon cher Antoine, qu'un médicament
dans la médecine allopathique, est mis sur le marché si son action est 30% au minimum supérieure à un effet placebo. Qu'est-ce que c'est un placebo ? C'est, on veut mettre par exemple un médicament contre le mal de tête sur le marché, un tout nouveau avec une toute nouvelle molécule. On va donner à un certain groupe de personnes qui ont mal à la tête un comprimé, mais qui est en fait de la mie de pain, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun agent dedans capable de réduire le mal de tête, il y a d'autres cette nouvelle molécule. Alors, l'effet placebo fait que quand tu penses prendre un médicament, souvent tu es soigné. Hein. C'est un peu comme quand tu es malade, tu prends rendez-vous chez le médecin, quand tu arrives dans sa salle d'attente, des fois tu te demandes, enfin moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, qu'est-ce que je fous là, quoi, je me sens bien. C'est déjà un effet placebo. Depuis quelques années, il y a aussi une autre interprétation neurophysiologique avec Predrag Petrović qui a découvert en 2002 que l'injection d'un placebo à une personne à laquelle on promettait un analgésique entraînait de facto, vraiment, hein, c'est pas que dans la tête, une libération de dopamine et d'endorphine endogène, des substances qui sont exactement de la même famille que la morphine et qui réduisent la douleur. Comme l'ont confirmé d'autres travaux, un placebo stimule aussi la production de cette dopamine qui intervient dans les mécanismes de récompense du cerveau humain. Mais à noter qu'il existe aussi l'effet inverse du placebo, qu'ils appellent l'effet nocebo. Ont été ainsi observés des troubles apparus chez certains riverains hein, d'une antenne de relais de téléphonie mobile. Tu vois ? Alors que même l'installation n'avait pas encore été mise en service. Parce que tu sais, dans des groupes, on nous dit plein de mal, c'est les mecs qui voient du mal partout, là, surtout et n'importe quoi, ben, des gens, ça leur travaille le cerveau. Et donc, quand ils voient quelque chose, ils ont déjà mal, alors que c'est même pas encore installé. Quoi. C'est l'inverse. Une autre étude a été faite, et là, il va falloir que je cogite et que je travaille là-dessus, parce que c'est en relation avec d'autres publications que j'ai faites, de l'influence de la prière sur la guérison d'un malade. Enfin, c'est-à-dire que certains d'entre eux présentaient plus de risques de complications médicales s'ils étaient informés que des prières étaient dites en leur faveur. C'est bizarre. On peut mesurer sur le long terme l'impact de ces soi-disant thérapeutes, sans parler que derrière certains d'entre eux se cachent, comme on l'a vu dans l'émission avec Amel, de véritables prédateurs, soit financiers et ou sexuels. Et ou, c'est peut-être les deux. Et les exemples que donne Amel dans cette émission sont éloquents à ce sujet. Écoute, Amel, je n'ai pas eu l'occasion de la voir, cette face-à-face-là, mais j'ai vu l'autre personne que tu as postée il y a 2 jours, qui est aussi... Alors, elle, vous avez parlé d'hypnothérapie, entre autres. Alors, c'est la troisième émission. Après Amel, j'ai enregistré une émission avec Sylvain Ricci. Sylvain Ricci, qui était un informaticien à la base, un peu comme Michel Almeras de la Pierre d'Uruguay, que j'avais aussi interviewé, et qui s'est petit à petit tourné vers les thérapies. Il a ouvert une association assez sympathique qui s'appelle l'Association Libellule, où il met en pratique ce qu'il a appris, par exemple, de la science des plantes. Et qu'il a appris, lui, en allant voyager dans les forêts, mais vraiment dans les forêts péruviennes, à l'encontre de chamans. Alors, ces chamans-là, ce n'est pas ceux qu'on rencontre quand on atterrit à Lima et qui nous attendent à l'aéroport. Hein, il faut aussi savoir qu'il y a faux chamans et vrais chamans. Là, ils vivent dans la forêt. Et donc, il a pu s'apercevoir de la puissance de certaines plantes. Cette émission avec Sylvain était un véritable vent de fraîcheur, puisque c'est vraiment la race des nouveaux thérapeutes hein, qui sont là pour s'occuper des clients, qui, quand ils ont un problème, eh ben, ils cherchent, ils s'accrochent. Pas comme ces soi-disant les autres où ils encaissent les sous, et puis quand le client ose dire ah, ben, ça ne va pas plus mal, ils les bloquent, hein, ils les bloquent carrément, ils les suppriment. Donc même, tu ne peux même pas mettre un commentaire négatif sur leur site et tu ne trouveras que des bons commentaires. C'est juste un factoïde. Et donc, en plus, ça a été sympa, parce qu'il nous a vraiment parlé de ce chamanisme, du pouvoir de guérison des plantes, mais que c'était aussi, attention, on ne va pas mettre en toutes les mains, il faut vraiment être expérimenté. On a notre ami Philippe Manzaneda, qui nous le dit maintenant depuis plusieurs semaines, et c'est vrai qu'il est lui aussi dans ce genre de démarche. Exactement. Et puis après, en plus, c'était sympa avec Sylvain,
c'est que il avait fait aussi une séance d'hypnose régressive, tu sais, celle que l'on voit sur YouTube en ce moment, il y en a plein. Et tu sais que je te parle depuis très très longtemps maintenant que les méthodes utilisées par ces hypnoses ne sont pas bonnes. On en a souvent parlé tous les deux. D'ailleurs, si tu vas faire un petit tour sur la chaîne de ces hypnos, rien que les titres, tu sens qu'un truc cloche. Je te mets un extrait. Tiré au hasard. Les différents êtres de lumière, envoyés sur Terre suite à une bataille sur Nibiru. Les laboratoires de la bête, reptiliens, arcturiens, bataille de Lémurie. Origine de l'homme, arrivée d'être sur la Terre. Coopération extraterrestre et nazie. Explication des enfants, des disparitions d'enfants. Planète rouge, insectoïdes et reptiloïdes. Félinoïde, dragon contre gris, ville sous terre, Anunnaki, pétresse féconde en Égypte, être stellaire de la planète bleue, druide gris, reptilien. Bon, il y en a des dizaines de milliers comme cela. Le plus prolifique en Europe est un Espagnol qui a près de 50 000 abonnés, Juan Miguel Almeida, un nom très compliqué pour moi, mais c'est très complexe, Calogero a aussi été un grand fan de ce nom. Et par contre, pour cet Espagnol-là qui a 50 000 abonnés, pour lui, tous les itis sont bons. Alors, il y a un problème parce que c'est l'inverse de ce que disent les nôtres, hein, qui voient que des reptiliens et des gris, des hashtariens et des partout, tout mauvais. Donc, il y a un petit souci. Donc, j'ai eu envie d'aller plus loin et j'ai invité, encore une inconnue, hein, Elisabeth Maillot, mais qui pratique l'hypnose depuis des années, dans le Jura. Donc la première chose qu'elle m'a dite, quand je lui ai demandé si elle avait des vidéos, elle m'a dit « Attends, moi je ne peux pas consulter par vidéo, interposer, car elle a besoin de sentir la personne, surveiller son pouls, sa respiration, pour savoir si elle tombe réellement en hypnose. » Elle me dit « Regarde, Silvano, les vidéos de Corrado Malanga et celles des autres. Les patients de Malanga changent de voix, pas les autres. Quand tu es vraiment en hypnose, ta voix change. » Effectivement, je me suis souvenu d'une amie, forte médium, voyageuse astrale, que je salue ici si elle regarde, qui savait sortir de son corps et qui partait en hypnose en claquant des doigts. Mais je ne reconnaissais pas sa voix. Mais pas du tout, quoi. Et dans cette émission, Elisabeth détaille les erreurs qui sont faites lors de ces séances. C'est édifiant, car cela correspond à ce que je dis depuis longtemps en citant mon cher Corrado. Vu que j'ai hâte de faire une émission face à face, comme je te l'avais annoncé, entre mi-novembre et fin décembre. Et en plus, je t'annonce plein de nouvelles émissions qui seront toutes très surprenantes et innovantes. Voilà, mon cher Antoine. Moi, ce que j'avais retenu, là, quand même, deux secondes de ton entretien avec Elisabeth, c'est qu'effectivement, les gens qui vont en hypnothérapie, ils ont tellement regardé de vidéos YouTube parlant de tous les sujets que tu as cités tout à l'heure, qui sont déjà en mode autosuggestion par rapport à ce qu'ils espèrent intrinsèquement qu'on puisse découvrir chez eux une fois qu'ils seront hypnotisés. Et, oui. Et le problème est là, c'est qu'on est tellement pollué par tellement de choses qu'aujourd'hui, c'est déjà difficile de pouvoir avoir une hypnose qui soit sans a priori, sans idée préconçue, ni quoi que ce soit. C'est tout à fait ça. Et puis ça colle, hein, parce que moi j'ai connu beaucoup de gens hein, qui étaient, puisque les hypnos que l'on a en ce moment ont des délais d'attente très longs. Hein. Et donc y a un afflux de nouveaux hypnos qui disent « Oh punaise, hein, là il y a un moyen de se faire de l'argent assez facilement, parce qu'en fait toi tu peux devenir hypnothérapeute, toi Antoine, en une semaine, hein, tu mets ton panneau hypnothérapeute et puis tu fais des séances d'hypnose régressive via Skype ou via Hangout, et tu empoches 150-200 € par séance. Si tu en fais deux le matin, deux l'après-midi, tu vois, ça peut te faire une somme rondelette. Donc ça attire pas mal de monde, il y en a de plus en plus qui arrivent. Alors évidemment, le temps qu'ils se fassent connaître, le temps qu'ils mettent des vidéos YouTube, évidemment, il faut qu'ils mettent des vidéos YouTube un peu fortes, quoi, hein, qui attirent le chaland. Parce que qui ce qui attire, c'est soit le mal le plus, les pédosatanistes, le monde est foutu, la manipulation, et soit les bisounours, les anges, les êtres bienveillants qui viennent, qui vont nous sauver ou qui vont nous ascensionner. Maintenant, grâce à Amel, je sais ce que c'est être ascensionné. Ben, sinon, ça ne fait pas vendre. Hein. Et d'ailleurs, on les voit dans ces questions, parce que quand j'en discute,
avec Corrado, les questions sont ultra dirigées, quoi. Hein. Tu ne dis pas. Alors, à la limite, c'est après, si on me demande, alors, tu vois le reptilien, quoi. Mais on ne peut pas poser ce genre de questions dans une séance d'hypnose. Jamais, quoi, jamais. On pose des questions très ouvertes et même des fois à l'inverse de ce que tu penses être, quoi. Hein. Donc, si tu penses, la personne pense décrire un être petit, tu dis, mais il est grand comment, quoi. Comme ça, tu coupes avec le petit pour essayer de l'emmener vers le grand. Et lui te dira la vérité. Et donc, c'est très, très, très complexe, quoi. Mmh. Ouais, je comprends. Bah, écoute, on va quand même en profiter pour accueillir Amel qui vient d'arriver. Surtout qu'on a parlé de toi, Amel, il y a quelques minutes de cela. Bonjour Amel, comment vas-tu? bonjour Antoine, bonjour Silvano. Coucou Amel. Alors pour finir, Silvano, est-ce que tu avais encore un dernier sujet peut-être à... Bah, ouais. Moi, comme ça, parce que je suis une humeur taquine, on en a parlé aujourd'hui, moi, Antoine. T'as pas des nouvelles de notre ami Thierry Jamin? J'entends plus personne, là. J'entends BTLV, tout ça, mais je suis pas abonné, moi, à BTLV, donc je sais pas ce qu'il se dit. Non, et tu sais quoi, je ne sais pas du tout ce qu'il se dit. C'est vrai qu'il y a eu un live BTLV cette semaine, et je sais pas du tout ce qui s'est dit. T'as eu, parce que si t'as eu du mur taquine, t'as peut-être eu des infos quand même. Oh, ben, moi, oui. Hein. Ah bah oui, on doute bien. Ça parce que je me suis fâché avec un de nos auditeurs de Miasma qui dit « Oh, Silvano, il a un but de lui, il est toujours tout sûr de tout savoir. » Je lui demandais « Mais pourquoi tu dis ça ?» Il m'a dit « Mais attends, t'as traité les momies de fausses. » Ah punaise, ça y est, c'est revenu les momies là. Mais là, on n'en parle plus, donc je suis un peu gêné. Donc je vais te donner moi quelques nouvelles. Parce que, alors le mois d'août a été assez calme hein, sur le front de Nazca. Avant de partir pour de longues vacances au Brésil, Thierry Jamin et Alain Bonnet ont quand même trouvé le temps début août, de diffuser une vidéo de trois nouveaux petits gris, hein, je ne sais pas si tu le sais Antoine. Hein. Donc ces trois corps sont censés appartenir à la même espèce que d'autres de taille comparable déjà montrées. Et si c'est le cas, hein, cher Antoine, cette espèce fait preuve d'une diversité biologique absolument époustouflante. Hein. En effet, d'après le document qui a été diffusé, la première entité biologique a 13 paires de côtes. Alors après, ils ont donné des noms. Alberto, 6 paires de côtes, plus 2 paires flottantes. Josefina, 9 paires de côtes, plus 2 paires flottantes. Victoria, 6 paires de côtes, plus 2 paires flottantes. Et donc, les derniers, hein, qu'on va appeler Riri, Fifi, Loulou, eh ben, ils ont 10 paires de côtes. Surprenant, non? Surtout si on ajoute à cela un nombre assez variable de phalanges, tantôt 3, tantôt 4, parfois le même nombre aux mains et aux pieds, et parfois un nombre différent. Alors je te cite le site, il y en a, tout le monde, je suis beaucoup ce site, parce que même s'il y en a qui vont encore dire que de toute façon, le gouvernement péruvien veut cacher les affaires, que tout ce qu'on trouve ailleurs, c'est des zététiciens qui croient rien. Ouais, mais eux, ils publient des faits, quoi. Et quand tu vas vérifier les faits, c'est des trucs vrais. Alors, je ne sais pas après si tu as envie de mourir de rire, mais tu sais que l'affaire des momies risque d'avoir fait rire beaucoup notre ami Emmanuel Macron dans les couloirs de l'Élysée, puisque Michel Ribardière, hein, qui se présente comme le chargé des relations avec le gouvernement de l'Institut Incari, hein, et qui a tenté en vain, le cher Michel, de se faire financer un voyage au Pérou par le public, a mis en ligne le 21 septembre dernier une série de pétitions adressées l'une au président de la République française, rien que ça, et pour les autres, à diverses autorités gouvernementales. Et à grand renfort de majuscules, Michel Ribardière enjoint à divers présidents de reconnaître ce qui est la plus grande découverte archéologique de tous les temps, découverte dont il affirme que l'authenticité est confirmée, alors même qu'on ne dispose aucun document ou résultat supplémentaire par rapport à ce qui avait déjà été analysé précédemment, et que Thierry Jamin lui-même continue à ne pas exclure la possibilité d'une fraude. Ouais, franchement, si on était une petite souris pour être réalisé, j'aurais bien voir un petit peu la tête des gens qui ont fait ça. Mais un congrès mondial de l'ufologie, tu le dois le savoir, mon cher Antoine, a eu lieu du 19 au 21 septembre à Montserrat, en Espagne. Je pense que tu étais avec tes équipes de Miasma TV. Et parmi les intervenants, le journaliste célèbre ufologue mexicain James Mawson, plus connu comme promoteur de hoax ufologique que comme journaliste sérieux. Il a donné une conférence d'environ une heure et demie sur les momies de Nazca.
Après une introduction sur l'affaire des diapositives de Roswell, donc Jane Mawson persiste à affirmer qu'elle montre un corps d'alien malgré toutes les preuves indiquant qu'il s'agit d'un corps d'enfant momifié conservé au musée de Mesa Verde. Le journaliste reprend pour l'essentiel le contenu de la série d'émissions qu'il a déjà consacrée aux momies de Nazca et qui n'apprend rien de nouveau. Mais alors, ce fut encore un flop magistral. Le lieu présenté par Jane Mawson n'a rien du tout à voir avec la description fantastique qu'en faisait le dénommé Mario. Retiens bien ce nom, Mario. Pas de salle souterraine, parce qu'ils avaient dit qu'ils avaient dû ouvrir ça dans des salles souterraines, il y avait des sarcophages, des crânes de géants fossilisés dans le mur, rien de tout ça. Et les appareils d'enregistrement qui fonctionnent très bien n'ont trouvé aucune trace de chant mystérieux. Un petit peu, ça me fait penser un petit peu au chant mystérieux de Bouségui en Roumanie, et qui empêchait pauvre Mario de fournir des photos du lieu. Son appareil photo ne fonctionnait pas. Thierry Jamin, présent sur place, hein, que l'on voit dans la vidéo entrer dans la petite grotte et que l'on entend parler en arrière-plan, est resté étrangement silencieux. Les jours suivants, malgré les demandes répétées des ululeurs anxieux qui avaient donné des sous, ce n'est qu'au détour d'une interview donnée à un youtubeur et revient quelques jours plus tard qu'on apprendra de lui qu'il ne s'agit pas du bon site, même s'il n'en a pas l'air très certain, puisqu'il semble penser qu'à l'odeur, que cette petite grotte est bien un site funéraire ayant compté des momies. Alors, pour ce qui concerne des analyses ADN, James Morrison annonce une révélation fracassante, hein, que les échantillons sont à 30% humains et le reste est complètement inconnu sur Terre. Mais alors, cette extraordinaire révélation scientifique, qui est bien poussée par la chaîne Gaïa TV, qui gagne plein de sous de publicité là-dessus, hein, les gens ne se rendent pas compte les sous qu'encaisse Gaïa TV, cette révélation n'est appuyée sur strictement aucun document. Quelqu'un qui dit que c'est à 30% humain et le reste c'est inconnu, tu fournis des documents, tu fais taire tout le monde. Non, lui, rien du tout. Il fait intervenir un de ses soi-disant spécialistes mexicains pour commenter ses résultats, un certain Ricardo Rangel Martinez. Il est présenté comme biologiste, spécialiste en biotechnologie et médecine régénérative. Alors, on va chercher dans Google Scholar, on va chercher un petit peu partout qui c'est ce monsieur. Il a plusieurs sociétés, dont une qui s'appelle Cambium Therapies. Et cette société prétendait dans un article du 2 décembre 2015 qu'en plus de soigner le diabète et les lésions de la peau, il pouvait vendre un traitement, tiens-toi bien, mon Antoine, à base de cellules souches permettant d'allonger l'espérance de vie de plus de 100 ans. Et il affirmait qu'il s'agissait d'un traitement sûr ayant l'aval des autorités sanitaires. Cependant, dès le lendemain, le 3 décembre, l'édite autorité sanitaire mexicaine lançait une alerte sanitaire sur son traitement de Cambium Therapies, avertissant la population de son absence d'autorisation, déconseillant l'utilisation d'un traitement coûteux, ah oui, il peut être que coûteux, aux effets secondaires inconnus, et menaçant la société de Ricardo Rangel Martinez d'une amende de plus d'un million de pesos. Pas vraiment rassurant sur l'intégrité de ce scientifique de haut rang qu'on nous a trouvé. De plus, l'homme est un ufologue convaincu, hein, partageant sur ses divers comptes YouTube, au milieu de vidéos sur les cellules souches, de nombreuses vidéos d'OVNI, dont certains qu'il filme lui-même. Il connaît très bien Jane Mawson depuis longtemps, et il a fait régulièrement l'ouverture de congrès internationaux. Il fait donc partie des soi-disant spécialistes qui n'en sont pas. Et il dit, nous avons un échantillon de tissu de cette créature, les momies, hein, que nous avons envoyé à un laboratoire de biologie moléculaire. Mais quand le laboratoire a essayé de séquencer l'ADN, ils ont trouvé qu'il ne correspondait pas à l'ADN de mammifères ou d'autres animaux. Et il n'y a aucune correspondance avec l'ADN de caricature, de créature de ce type. Et donc, ce qui permet à James Watson d'affirmer qu'il s'agit probablement d'un hybride ou d'un extraterrestre, ouais, seulement le problème, c'est que la créature qu'ils avaient... Et qu'ils avaient... oui, j'ai oublié de dire, c'était une créature, hein, pardon. Il avait dit à l'époque, pardon, je me suis emmêlé les pédales. Il avait dit, ce Ricardo Rangel Martinez, il était impliqué dans une affaire qu'on appelle la fée alien mexicaine. La fée alien mexicaine, qu'on va pouvoir un petit peu retrouver partout. Vous tapez fée alien mexicaine dans YouTube, vous allez trouver ce nom-là.
et aussi celle de la créature de Métépec. Et c'est là qu'il avait dit que c'était hybride ou extraterrestre. Et seulement, c'est après qu'on a retrouvé que c'était réalisé par un taxidermiste. Un taxidermiste, c'est celui qui a... On est un papillon, un taxidermiste, il va vous le mettre dans une truc là. Et c'est des créatures fabriquées. D'ailleurs, on avait fait un sujet là-dessus sur un fabuleux taxidermiste qu'on a trouvé en Angleterre qui a fait des créatures mais complètement hallucinantes. Et figure-toi, pour finir, on a découvert l'identité réelle de Mario, le Wakero, qui avait commencé le premier qui avait trouvé les momies. Et donc, on a retrouvé sa vraie identité, puisqu'on l'a trouvé sous un profil Facebook sous le pseudo de Mario Peruano. Et son vrai nom, c'est Leandro Benedicto Rivera Sarmiento de Palpa. Identité également confirmée par Alain Bonnet, par l'intermédiaire de Paul Ronceros. Et donc, il a été retrouvé en possession chez lui de nombreux crânes, 30 crânes, 4 bras, 2 pieds d'enfant. Et puis surtout, c'est que notre ami Mario, eh ben, il a une superbe voiture jaune, une Nissan, je sais plus quoi, sportive, là. Tu sais que c'est hors de prix, hein. Déjà en France, je crois que c'est une voiture qui vaut 120 000 euros, enfin un truc de fou, quoi. Et il s'est fait choper sur le profil Facebook parce qu'il faisait le cacou avec sur un faux nom, bien sûr, hein. Sauf que quelqu'un l'a retrouvé. Et donc maintenant, il s'amuse à faire le guide touristique, hein, et au Pérou. Et puis, il est un petit peu riche. Et puis, pour terminer là-dessus, on a un lien sur... maintenant qu'il est sorti le 17 octobre, hein, c'est tout récent, qui dit qu'en gros, que les momies sont trafiquées et que Maria est une momie préhispanique qui aurait été... tout simplement voler. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'on va entendre beaucoup Thierry Jamin, les autres chaînes. Alors, certes, BTLV, je ne sais pas ce qu'ils ont dit, hein, parce que je ne suis pas abonné à BTLV. On va dire, on va taper dessus sur Thierry Jamin, juste en oubliant qu'ils étaient fin fous, hein, de Thierry Jamin au départ. Donc, c'est pas mal qu'ils retournent leur veste, mais je pense qu'ils n'auraient jamais dû la mettre, cette veste, parce que je rappelle qu'on est octobre 2017. Que moi, je parle de Thierry Jamin, de cette découverte des momies, hein, depuis un an, je crois que même j'en ai parlé avant lui, hein, parce que c'est pas lui qui les a découvertes, Thierry Jamin. J'en ai parlé avant lui. Il faut savoir chercher, il faut savoir être cohérent, il faut savoir faire des études, il faut savoir faire des recherches. Alors évidemment, ceux qui attendent un petit peu comme les bisounours, là, qui attendent les Pléiadiens et les Ashtariens, évidemment, ils tombent dedans. Et puis voilà, quoi. Et après, on ne veut pas qu'on leur casse leur rêve. Donc, on est tous des conspirationnistes, on est tout ça. Mais ça ne tient pas debout. Si on s'intéresse à l'ufologie, ça ne tient pas debout. Une seconde. Voilà le mot de la fin, mon cher Antoine. Ok, bien écoute, en tout cas, ceux qui n'auraient pas eu le loisir de suivre, effectivement, les pérégrinations de Thierry Jamin et de ses momies, je crois que tu as été encore une fois assez clair. Sinon, retrouver un épisode de Miasme TV du mois de juin ou juillet où Silvano en parle déjà dans ces termes. Et puis même au mois de mars, hein, dernier, dans une des émissions, tu avais déjà émis de très sérieux doutes sur la véracité de tout ça. Voilà. Mais écoute, on va en profiter pour recevoir notre ami Aurore qui vient d'arriver. Coucou Aurore. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Silvano, bonsoir Lamel. Bonsoir. Bon, eh bien, merci Silvano pour l'ensemble de ces informations encore percutantes. Donc, c'est décidé, tu te feras que des amis ce soir. Et on va en profiter pour accueillir Philippe qui vient d'arriver. Salut Philippe. Salut Antoine. Bon Philippe, tu as quelques petits soucis de caméra, on va essayer de régler ça pendant la soirée. On est presque au complet ce soir. En tout cas, on a la team bien-être thérapie. C'est comme ça que je vous ai surnommé, les amis. Donc, Amel pour la lithothérapie, Philippe pour le soin avec les plantes et Aurore pour le soin de l'âme à travers les revues spirituelles et santé qu'elle nous présente. Et on va commencer par Amel ce soir. Qui nous fait le plaisir de pouvoir être là ce soir en direct. Amel, tu veux nous parler de quelle pierre ce soir, à moins que ce soit une huile essentielle? Bah écoute, ce sera les deux.
Je vais vous présenter en quelques minutes. Hein. La thématique, ça va être soulager le stress et les angoisses. D'accord ? Ce qu'on peut trouver dans la famille des huiles essentielles et ce qu'on peut trouver dans le monde minéral. Alors, on va commencer par le monde minéral, hein, puisque c'est un monde assez aussi sympathique. Hein. Alors, la première pierre, certains la connaissent, c'est le quartz rose. Le quartz rose, c'est une pierre qui est... Attends une seconde. Voilà. Qui est comme ceci. Je ne sais pas si tu la vois bien. Voilà. C'est d'une fréquence et d'une couleur rose. Hein. C'est une pierre qui va essentiellement travailler sur les blessures affectives, qui va apaiser, qui va apporter de la tendresse et de la douceur. Et il y a une autre pierre qui est aussi son pendant, quand on a du quartz rose, c'est la manganocalcite. Alors, elle a un nom un petit peu barbare, mais elle est assez rigolote. Je l'ai un peu mise derrière, voilà. Je vais vous la montrer. Alors, je ne sais pas si tu vois le jeu de couleurs, mais en fait, c'est un rose plus soutenu dans la couleur que le quartz rose. Ah, Philippe, salut! Alors, la manganocalcite, c'est la pierre de l'empathie. C'est une pierre douce qui va travailler sur le chakra du cœur, donc au niveau de toutes les tensions qu'on peut avoir, les palpitations quand on a des angoisses, hein, par exemple. C'est une pierre qui, j'aime bien dire, nous enracine. Alors, Sylvano sait que j'aime bien l'enracinement, hein, pas histoire de flotter au-dessus du sol, hein. C'est une pierre qui apaise les colères. Alors, les gens qui sont extrêmement nerveux, c'est assez intéressant parce que quand vous la prenez dans la main, déjà, en général, elle est de la taille de la main, donc vous la prenez, vous la mettez dedans, vous jouez avec, et elle va diffuser dans votre corps un véritable calme. Elle soulage aussi les insomnies. Elle aide le corps à assimiler le calcium, et c'est véritablement une compagne pour les gens extrêmement nerveux. Alors, dans la synergie, hein, on a le quartz rose et on a la manganocalcite. Voilà. Donc, imaginons que j'ai une pierre de quartz rose chez moi ou de manganocalcite. J'en fais quoi? C'est-à-dire, je me couche avec le soir, je leur fais des câlins et puis... La manganocalcite, pour les gens nerveux. Donc, si tu veux, quand tu sens une tension monter, tu la tiens à la main. Elle réagit et elle agit sur les pulsions de ton corps, en fait, par vibration. D'accord, comme les petites boules anti-stress. Voilà, exactement. Là, tu vois, je l'ai à la main. Effectivement, celle-ci, c'est une sphère. Hein. Donc, le quartz rose, c'est une pierre qui est toujours ou plus ou moins attribuée aux chambres à coucher parce qu'elle apaise, elle réconforte, elle calme. D'accord ? Et la manganocalcite, je dis toujours que c'est celle à avoir dans la poche pour les gens qui sont stressés. Vous avez un entretien, ben vous l'avez avec vous. Les enfants, c'est la pierre des enfants. Ça, c'est assez intéressant. Parce que les enfants qui sont tout le temps, des fois, très speed, très nerveux, qui ont des angoisses ou des terreurs même nocturnes, hein, vous mettez ces deux pierres dans leur chambre, près de leur lit, et ça va agir et diffuser dans leur système nerveux un véritable calme. Bon, je ne peux pas vous dire de leur mettre dans le sac parce que tu te doutes bien que c'est des pierres, donc c'est fragile, donc ça risque de casser. Et pour confirmer ce que dit elle-même, alors je ne sais pas si c'est un effet placebo ou pas, mais ma fille faisait des cauchemars, je lui ai acheté du quartz rose, je l'ai mis à côté de son lit et je lui ai dit « tu n'auras plus de cauchemars », et puis elle n'en fait plus. Exactement. Ce sont véritablement des pierres qui ont des vertus exceptionnelles. La lithothérapie, c'est véritablement accompagner la guérison, on va dire, d'un certain plan, par les pierres. Et les pierres agissent sur la psyché. Donc, votre mental n'a même pas besoin de comprendre comment cela se fait, mais ça agit sur la psyché. Et l'enfant n'a pas le mental d'un adulte. Donc, il absorbe et il intègre l'information sans avoir besoin de la disséquer et de comprendre mais pourquoi il fait ça sur mon corps. D'accord. Alors, on n'a pas eu l'occasion d'en parler la dernière fois, mais finalement, c'est scientifiquement, j'ai envie de dire, ça se passe, ou physiquement, ça se passe comment? C'est-à-dire que les pierres, elles émettent une sorte de vibration, de fréquence, c'est ça, ce que l'on va percevoir et que l'on va traduire ensuite à l'intérieur de notre corps d'une certaine façon? Exactement. Les pierres interagissent avec notre corps par rapport à la vibration qu'elles ont. Les pierres agissent aussi avec en résonance avec notre corps parce que nous-mêmes, nous contenons un certain nombre de minéraux en nous. Hein. Donc, il y a véritablement un fil conducteur. Les pierres agissent avec nous parce que si tu veux, comment te dire, quand tu prends une pierre dans la main, c'est tous tes systèmes énergétiques, les méridiens dont je parle, qui vont recevoir l'information qui leur est nécessaire.
C'est pour ça qu'en lithothérapie, la personne, elle est allongée et on va placer des pierres à des certains endroits. Et ces endroits, c'est comme l'acupuncture. Tu vois, l'acupuncture, tu appuies sur des endroits précis. Et bien, en lithothérapie, tu fais pareil, mais avec les pierres. C'est-à-dire, aux endroits intéressés, si tu veux obtenir un effet calmant, tu vas placer les pierres et les cristaux aux endroits où ça va agir pour apaiser et apporter le calme dans le système nerveux. Ok, c'est très clair. Merci. Alors, moi, j'ai juste un souci, Amel, avec tout ça. Parce que la puissance des pierres, j'y crois, mais alors ça marche du feu de Dieu, parce que je l'ai moi-même expérimenté sur plusieurs pierres. Bien sûr. Mon seul souci, c'est que quand je veux m'acheter une pierre, j'y connais rien. Enfin, je veux dire, j'y connais rien. En pierre, tu me dis, voilà, quartz rose, je connais les capacités du quartz rose et tout, la chungite, je connais. Mais quand je suis dans le magasin, est-ce que c'est un trafiquant? Est-ce que c'est un truc chinois? Est-ce que c'est on veut vendre de la bonne qualité? Comment être sûr d'acheter une pierre de bonne qualité? Alors déjà à la base, moi je te dirais, désolé pour les vendeurs, tu vas pas te diriger vers un vendeur parce que le vendeur ça traverse son filtre. Tu vas développer ton intuition, tu vas ressentir. La pierre, elle est froide ou elle est chaude. Elle dégage une chaleur, une vibration, rappelez-vous, elle est en corrélation avec nous à ce niveau-là. Quand tu prends une pierre, tu ressens dans les secondes qui suivent si c'est agréable ou désagréable. Tu te rappelles la conscience du cœur. On appelait ça le cerveau du cœur aussi. Ce n'est pas nous qui l'avons dit, ce sont des scientifiques qui l'ont attesté. Et le cerveau du cœur a cette intelligence-là. Donc, quand tu prends, il faut le savoir, hein, le méridien de la main communique et hop, tu vois, par ici. Et donc, tu es rattaché au cœur. C'est vraiment dans la zone. Hein. Donc, quand tu prends une pierre, sache que tout ton système au niveau gorge et cœur va ressentir. Tu rentres dans le magasin, déjà, tu vas rire, mais la première pierre qui va t'accrocher les yeux, elle va t'appeler, on est d'accord, c'est pas rationnel. Tu regardes le magasin, tu balayes et tu fais « Tiens, celle-là, elle me parle. » Alors, je la prends et je ressens. Est-ce qu'elle est bonne pour moi? Et seulement, une fois que tu as fait le lien avec la pierre, c'est-à-dire que tu as connecté, que tu as ressenti qu'elle était, que ça vibrait dans ta main ou que ça piquait ou que ça chauffait, à ce moment-là, tu vas voir le vendeur et tu lui dis « J'ai pris ça, mais c'est quoi ?» Et en général, tu vas te rendre compte que, allez, à 99%, la pierre que tu as pris intuitivement, c'est celle dont tu as besoin. Alors, je sais que Philippe avait une méthode aussi pour voir si tel aliment, telle pierre, telle plante était bonne pour soi ou pas. C'est un peu le même système qu'un pendule, où pour tarer un pendule, on va lui... Il est où mon pendule? Ah, tu te mets au pendule, Antoine. Wow. Génial. Non, pour tarer un pendule, on va lui demander de dire oui ou non. Tout seul, donc là vous voyez il est en train de dire oui par exemple et donc ce que Philippe nous expliquait quoi m'expliquer en off et qu'il va nous expliquer c'est que le corps est un pendule et que on peut aussi lui faire répondre malgré nous à une demande qu'on va faire à l'intérieur. Comment ça marche Philippe? C'est très simple en fait, tu te mets debout bien détendu. En principe, à éviter les montres portables, etc., si tu en as sur toi, et tu te centres bien. 99% des gens, le oui, c'est devant. Le corps va pencher devant et le non va pencher derrière. C'est extrêmement rare que le oui est derrière. Ça arrive, c'est arrivé une fois, donc ça peut arriver. Donc, tu te centres bien. Si la chose est bonne pour toi, en principe, le corps va aller vers l'avant. Ça peut marcher avec n'importe quoi. Pas avec les humains parce qu'il y a le libre arbitre, mais ça marche avec tout. Tes lunettes, par exemple, n'importe quoi. Ce que tu manges, etc. Voilà. Et donc, du coup, si on couple les deux méthodes, celle d'Amel et celle de Philippe, vous vous mettez devant la pierre, vous regardez si vous êtes attiré en avant une fois que vous êtes bien entendu avec vous-même vers la pierre, et puis ensuite vous la sentez, voir si elle est chaude ou pas, et puis là vous avez la totale. Et après, si tu as les lunettes d'Antoine, tu penches forcément vers le devant. C'est pas faux. Oh, t'es espiègle, là. Allez, Amel, du coup, sans transition, la suite, tu voulais nous parler du coup de la partie huiles essentielles, aromathérapie. Voilà. Alors, l'aromathérapie, c'est soigner par les huiles essentielles. Hein. Donc là, c'est assez facile à comprendre et à appréhender. Hein. Je retiens deux façons de fonctionner avec les huiles essentielles. La première, c'est respirer l'huile essentielle, évidemment.
Donc, passer le flacon d'huile essentielle sous son nez. Hein. La deuxième, ou alors avec un diffuseur, parce que là, ça, vous profitez de façon plus large dans toute la pièce. Ou alors, vous diluez l'huile essentielle dans une huile végétale pour éviter toute réaction dermocaustique. Donc, ça veut dire brûlure hein, ou petits boutons désagréables, parce que selon la carnation de peau, il y a des personnes, par exemple comme moi qui sommes mates, on peut appliquer de l'huile essentielle pure dessus. Sur la peau, sans risque de réaction. A contrario, une dame irlandaise, avec son teint de peau, si elle applique la même huile essentielle que moi, elle va se transformer en personne qui a la varicelle avec des plaques rouges. Voilà. D'où l'importance, par principe, pour être sûr de ne pas avoir de réaction, de toujours penser à diluer l'huile essentielle dans de l'huile végétale, avec le rapport suivant. Une goutte d'huile essentielle pour 5 gouttes d'huile végétale. Ça, c'est le principe. Après, il y a une troisième possibilité de prendre, d'appliquer de l'huile essentielle, c'est par la bouche, hein, en appliquant ça sur un petit peu de miel ou d'huile d'olive, donc en avalant. Mais sur cet aspect-là, je suis un peu plus, on va dire, mitigée, parce que les huiles essentielles ne sont pas des produits simples et sans danger. Donc, je déconseille fortement d'essayer d'avaler de l'huile essentielle pour quelque motif que ce soit, sauf si votre pharmacien vous le confirme. Bon, alors aujourd'hui, la thématique, je reste sur ma thématique du stress, soulager le stress et les angoisses, hein, et donc de vous proposer 5 huiles essentielles dites relaxantes. Alors, j'en ai choisi 5 avec les critères suivants. Ce sont 5 huiles essentielles qui sont bon marché. Ce sont 5 huiles essentielles qui sont faciles à trouver. Hein, parce qu'effectivement, dans le monde des huiles essentielles, vous vous doutez bien qu'il y en a à foison. Alors, la première, c'est l'huile d'essentiel orangée amère. Alors, cette huile essentielle a comme vertu d'apporter détente et relaxation. Elle est à appliquer au niveau du plexus, des poignets, pour agir au niveau des méridiens, médecine chinoise, hein, vous savez, là, c'est relié au point du cœur. Hein, donc, quand on est stressé, ben, c'est là où il faut se détendre et masser. Et sous la plante des pieds. Donc, ça, ce sont les 3 points à appliquer. La deuxième huile essentielle, c'est la camomille romaine. La camomille romaine est l'huile essentielle anti-stress par excellence. Et enfin, vous avez une troisième huile essentielle que j'aime bien, la marjolaine à coquille. Elle est plus discrète, plus subtile au niveau de l'odeur. Hein. Et alors elle travaille sur les angoisses, le stress et rééquilibre le système nerveux. Bien, quatrième huile essentielle, la lavande fine. À ne pas confondre avec le lavandin ou avec la lavande aspic, qui n'ont rien à voir et qui n'agissent absolument pas sur les mêmes régions, secteurs ou intentions. La lavande fine va calmer le stress. Hein, vous avez vu l'odeur de la lavande, ça calme toujours. Et ça relaxe, pareil, d'accord? Et pour finir, l'huile essentielle de mandarine. Alors celle-ci, c'est un calme rapide, une action rapide, plus rapide que les autres presque, je vous dirais. Elle agit sur les angoisses, les insomnies, le stress et l'agitation en général. Bah alors du coup tu fais comment? Tu t'asperges de partout là parce que avec une. Non. Ça va, mais là, c'est... de te faire une liste de 5 huiles essentielles. Tu les prends pas toutes en même temps, d'accord. Non, tu les prends pas en même temps. Ça veut dire que si tu n'as pas l'un, tu peux utiliser l'autre. Moi, j'aime bien travailler en synergie. Ça, c'est vrai. J'aime bien travailler en triade d'huiles essentielles. Ça veut dire 3. Donc, je prendrai 3 huiles essentielles dans. Comment dire, selon la personne que j'ai et puis les huiles essentielles que je trouve, hein, et je les mélange. Une fois que tu as mélangé les 3 huiles essentielles, en mettant une goutte chacune, hein, tu mets ça dans une coupelle si tu préfères, hein, une goutte de lavande fine, une goutte de mandarine, et puis une goutte de marjolaine à coquille, par exemple, tu vois. À ça, tu vas rajouter 5 gouttes d'huile végétale, tu as une petite mixture, et cette mixture-là, tu vas l'appliquer au point que j'ai signalé. Alors, poignet, plexus, plante des pieds. Pourquoi? Parce que D'accord. La plante des pieds, ça agit en réflexologie sur tout le système du corps. Là où les tensions, rappelle-toi, nous sommes dans l'esprit de la détente. Donc, plante des pieds, poignet pour... Tu as vu, quand tu as été stressé, tu as ton pouls qui s'accélère. Donc là, on va détendre ici. Et plexus, évidemment, parce que c'est au niveau de l'estomac et pour que la respiration se réinstalle correctement. Ok. Bah, écoute, c'est très clair. Aurore, est-ce que toi tu en utilises les huiles essentielles?
pour ton conseil, Ahmed, parce que on a tendance parfois, on nous dit prenez sur un peu de citron, de miel, vous diluez ça dans l'eau, et maintenant je me rends compte que c'est pas forcément l'idéal de faire ça. Mais l'essentiel de citron, parfois j'en prends un petit peu, mais voilà. Donc, du coup, je le ferai plus. Alors voilà. Ça dépend de comment tu réagis, effectivement. Il y a des personnes, par exemple, si tu as des fragilités au niveau de l'estomac, tu ne vas pas mettre de l'huile, tu ne vas pas ingurgiter de l'huile essentielle parce que ça peut brûler, au contraire, être inconfortable. Donc, il y a des façons de faire et c'est pour ça que je dirais là, j'ai fait exprès de ne pas parler de la partie comment avaler une huile essentielle pour des raisons évidentes. Vous imaginez après, si vous recevez plein de mails, à cause d'un mail, je me suis brûlée, j'ai eu des soucis, au secours. Donc, on va rester sur du très, très, très soft. Mais par rapport à la problématique, par exemple, si tu commences à avoir un mal de gorge, bon là, je vais sortir de ce que j'avais prévu ce soir. Une petite goutte d'huile essentielle de Ravintsara dans un peu de miel. Je suis sûre que Philippe sourit. Voilà, ça va vraiment agir sur, comment dire, sur la problématique, tu vois. Mais en effet, le Ravintsara est très très bon et je l'ai essayé et il est très très bien. Oui, effectivement. Ah, je vais préparer une thématique huile essentielle et l'hiver. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Oui. Allez, ça marche. Bon, mais en tout cas, merci. Parce que tu vois, moi aussi, j'avais prévu ma petite fiole d'huile essentielle, mais comme elle ne fait pas partie de la thématique ce soir, ce serait peut-être aussi bien que tu nous dises s'il y a des marques, mais la prochaine fois, s'il y a des marques que tu préfères à d'autres. Pour qu'on puisse s'orienter sur ces marques, sachant qu'on a le droit de faire la pub de ce qu'on veut. On a le droit. Sur Miasme TV. Voilà. D'accord. J'avais pas osé sortir mes huiles essentielles en me disant est-ce qu'on a le droit de présenter des marques pour pas. Mais bon, si tu me le dis, ok. Oui. On n'est toujours pas régi par le CSA, donc c'est bon. Mais vous publiez avant, parce qu'Antoine, il touche des commissions. Ce serait bien. J'adorerais. Vous êtes un laboratoire d'huiles essentielles ? Voilà, contactez-moi. Quoi. Allez, on va passer à Philippe. Bon, mais du coup, Philippe, toi ce soir, tu vas nous parler de quelle plante ? Alors, ce soir, avant de te parler d'une plante, c'est la Rosa Gallica, c'est celle qui m'a fait créer ma société. Je vais d'abord te parler de comment on fabrique des produits, c'est-à-dire les alcoolatures, les macérations, etc. Et à titre d'information, la seule huile essentielle qui est assimilable, enfin, en petite quantité, c'est le Ravintsara. Donc, je rebondis là-dessus. et le citron, c'est en externe. Pour les mal de ventre, bien sûr, c'est super efficace. Pour faire une alcoolature, par exemple, j'ai pris un pot, un parfait, qu'on voit là, ici, là, avec un caoutchouc. C'est ce qu'il y a de plus efficace pour que les alcoolatures se fassent en bonne condition. Alors, ça se fait en montée de lune, un jour racine, parce que je fonctionne avec la lune. Et donc, ça se fait sur place, là où pousse la plante. Après la rosée du matin, en principe, c'est le plus efficace parce que c'est là où il y a le plus d'huile essentielle qui se libère. Donc, vous émondez votre plante, vous remplissez, je reprends mon pot, vous le racine, feuilles, fleurs, etc. Enfin, toutes les parties de la plante, tout le totum, on appelle ça un totum complet. Donc, vous remplissez et donc votre alcool que vous avez coupé, moi, il est à 96, donc je ramène à 55. Vous remplissez votre alcool un maximum jusqu'ici, une fois que c'est bien tassé. Et donc, vous laissez macérer ça 44 jours. Alors, attends, on va… Parce que toi, tu es dans ta technicité, donc tu en parles naturellement. Mais tu sais, nous sommes des béotiens là-dessus. Donc, quand tu parles d'alcool… C'est quoi ? C'est de l'alcool à 90 que je vais acheter au supermarché du coin, chez le chez le pharmacien ? Non, toi, pour acheter de l'alcool, ce que je conseille en magasin, enfin, ce qui est le moins toxique, c'est la vodka. Parce que les Russes, ils ne tolèrent pas de pesticides chez eux, contrairement en France. mais moi, j'ai la chance d'avoir l'autorisation des douanes. Donc, j'achète de l'alcool bio sur fin à 96%. Je le ramène à 55 parce que je veux que mon alcool à tuire, elle soit un minimum à 50. Parce qu'une fois qu'elle décante, c'est-à-dire quand tu l'ouvres, ça s'évapore un peu. Donc, ça redescend entre 53, 52 par là. Je veux être sûr que ce soit un maximum, pour que ce soit
Il n'y a que la propolis que je mets à 96, je rajoute un tout petit peu d'eau, mais c'est vraiment minime pour qu'elle soit vraiment le plus efficace. Toutes mes alcoolatures sont comme ça, je prends tout le totem complet, enfin un maximum de la plante, pour qu'il y ait toutes les vertus des parties de la plante en fait. Ça c'est une alcoolature. La différence entre une alcoolature par exemple et les fleurs de Bac, une fleur de Bac ça a été juste mis dans de l'eau, dans une coupelle, 3 heures au soleil. C'est filtré, c'est dans du cognac ou de l'armagnac, il y en a qui font avec l'armagnac, et hop, c'est filtré et c'est fini. Là, c'est fait pendant 44 jours, un cycle lunaire complet, qui met un sacré moment quand même. Hein. Une fois que tu filtres, je passe un maximum de parties dans l'extracteur de jus, j'ai un extracteur de jus, pour retirer vraiment un maximum de propriétés, pour que ce soit vraiment super efficace. Donc moi, mes alcoolatures, si tu préfères, on appelle ça aussi peinture mère, il faut vraiment que tu mettes seulement quelques gouttes sous la langue, 3 à 5 gouttes maximum, contrairement à celles qui sont en pharmacie, qui sont déjà d'une diluée, qu'il faut 30 à 40 gouttes. Bah chez moi, les miennes t'enlèvent le zéro. Parce qu'autrement, déjà d'une, c'est du gâchis, et puis en plus, ça sert strictement à rien. Du coup, c'est quoi la différence entre une alcoolature et une huile essentielle? Alors, une huile essentielle, c'est fait avec un alambic. Tout simplement. C'est fait pour retirer l'essence de la plante. Donc, déjà d'une, on ne met pas toutes les parties de la plante. On ne met pas les racines. C'est très rare. Très, très rare. Parce qu'autrement, tu ne peux pas extraire de toute façon. Là, tu mets vraiment tout le totem de la plante complète. Il faut qu'elle soit complète. Il faut que l'alcoolature elle soit vraiment super efficace. Il y a même certaines alcoolatures où je rajoute quelques gouttes d'huile essentielle qui est vraiment toutes les propriétés de la plante le maximum possible. Et là, tu as une alcoolature le plus parfait possible. Là, j'ai fait les chrysomes, okay. L'italicum, et j'ai mis l'huile essentielle en plus, et elle est vraiment super efficace. 2 gouttes, et tu as vraiment... c'est super efficace. Alors maintenant, je vais parler des macérations, qui est totalement différente. Une macération, c'est à base d'huile. Alors, toutes les plantes ne sont pas à la même enseigne. Par exemple, la lavande, Lavandula angustifolia, celle que tu parlais, la lavande fine, tout à l'heure, celle-là, je la fais avec l'huile de pépins de raisin parce qu'elle est plus assimilable par la peau. Et quand tu fais un massage à quelqu'un, après ça, il ne s'en remet pas. Il détend, super efficace. Hein. Tu mets 2 gouttes d'huile essentielle, par exemple, de lavande sur l'oreiller et tu dors comme un bébé. Hein. Tu n'as pas besoin de le mettre sur toi. Les deux que je prends pour à base d'huile d'olive, c'est le calendula et l'hypericum, le millepertuis, hypericum perforatum. Ces deux-là, je fais à base d'huile d'olive, parce que l'huile d'olive, elle est très riche. Et c'est les deux seuls qui passeront au-dessus de l'odeur de l'huile d'olive. Toutes les autres, il vaut mieux les faire à l'huile de tournesol, que ce soit romarin, etc. Quoi. Donc là, on prend vraiment une partie spécifique de la plante. Si c'est la lavande, on va prendre les fleurs. Si c'est l'hélichryse, pareil, ce sera les fleurs. Si c'est la consoude, on prendra la racine, parce que c'est la consoude, ça ressoude les os, la moelle osseuse, et ça régénère les cartilages. C'est connu, hein, la consoude, ça soude, comme le nom s'indique. C'est la racine que l'on prend. Donc, une macération huileuse, ce sera totalement différent qu'une alcoolature. Hein. Voilà. Ça, c'est les différences. Hein. Donc, tu vas dans ton biocoop du coin, tu achètes ton huile bio... ça soit huile de pépin, huile d'olive ou tournesol. Tu le mets après dans un bol ou dans un parfait, comme tu nous as montré. Tes plantes, et puis tu laisses macérer combien de temps? Alors, les macérations huileuses, elles, c'est 21 jours, sauf le millepertuis. Lui, il est un peu plus feignant pour libérer ses molécules. Donc, lui, c'est 35 jours. Bon, le millepertuis, c'est la fleur de Saint-Jean, c'est le 21 juin. C'est là où il a le solstice. C'est pour ça qu'on l'appelle la fleur de Saint-Jean, le millepertuis. Parce qu'il est efficace à ce moment-là. Quoi. Et tout à l'heure, tu parlais de lavande. Allez, tiens, j'ai plein de lavandiers devant chez moi, sauf qu'on n'est plus à la saison de la floraison. Par contre, j'ai des graines. Dès que je les prends, ça diffuse une odeur pas possible. Je peux faire macérer mes graines dans l'huile de pépin? Disons qu'elle aura moins de vertu, parce que là, on est en descente de sève. C'est l'automne. Et automatiquement, il n'y a plus autant de vertus qu'avant. Bon, tu peux faire des petits sachets que tu mets dans les,
petit sac là, que tu mets sous ton oreiller, là oui, ça parfumera, puis ça t'apaisera ton sommeil, à la rigueur. Mais ça n'aura plus autant de vertu que par exemple au printemps, ou enfin dès que la lavande elle est en pleine fleur, en pleine floraison, où là elle est plus efficace. Hein. Mais moi, on m'a dit autre chose encore, parce que moi je suis grand fan de l'huile essentielle Helichrys italienne. Italicum, ouais. Mais on me dit qu'en ce moment, et j'ai pu le constater en pharmacie, j'ai une pharmacienne hyper sympa et qui vend plein de produits bio et puis d'huile essentielle, puis des fleurs de Bac et tout, parce que ça fait 20 ans que je lui bourre le mot là-dessus. Et donc, elle a carrément sur son informatique, en fonction du numéro de lot de l'huile essentielle, elle a, mais toutes, mais alors des pages et des pages, ouais. Déjà l'origine de Helichrys. Et là, waouh, t'en as qui viennent du monde entier, quoi. Or, un ami à moi, qui est très fort en biochimie, m'a dit, Silvano, prendre une huile essentielle d'Helichrys italienne qui ne vient pas soit de Corse, soit d'Italie, c'est à foutre à la poubelle, quoi. Parce qu'il n'y a pas le... Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il n'y a pas assez de cétone dedans par rapport aux concentrations corse et italienne. C'est vrai, ça? C'est vrai que celle qui vient de Corse et d'Italie, elle est bien plus efficace, par exemple, que la Stoïca. La Stoïca est plus par chez nous, là, dans les Corbières. Tu peux demander à Amel, elle en a même à côté de chez elle. La Stoïca, elle fait de toutes petites fleurs. Elle a des principes actifs, hein, en effet, mais elle sera bien moins puissante que les crises italiennes. Les italiennes, je peux t'assurer, tu mets quelques gouttes sur un hématome, ça disparaît à vue d'œil, quoi. C'est impressionnant, c'est incroyable, mais vrai, quoi. J'ai la régénérescence cellulaire. C'est pour ça qu'on en met souvent dans les crèmes anti-rides, etc. Parce que ça, c'est un régénérateur. Donc, ça te régénère la peau super efficace. Après, il ne faut pas en mettre beaucoup. Non, sinon tu redeviens bébé. Avec un petit peu d'huile, hein, parce que pur sur la peau, c'est pas très conseillé quand même. Hein. Philippe, en tout cas, bon, merci du coup pour les conseils techniques. C'est vrai qu'on avait reçu des messages pour savoir un petit peu comment fallait faire, parce que c'est des termes que tu emploies là régulièrement, et puis maintenant on y voit un peu plus clair. Donc écoute, la prochaine fois, tu nous parleras d'une nouvelle plante. D'accord. Allez, on va passer, on va finir cette belle émission avec notre ami Aurore, qui nous a préparé un nouveau magazine cette semaine, Aurore. Oui, tout à fait. Alors, c'est Respire. Alors, bon, à chaque fois que je vais regarder pour un nouveau magazine, je passe beaucoup de temps, parce qu'il y a tellement de choix, et de plus en plus. Et pour ce nouveau numéro, en fait, pour ce numéro de Miasme TV, voilà, on est tous là. Je suis restée un petit moment sur Respire, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est très important de ne pas oublier de respirer encore et encore. Et c'est le numéro 5, donc bien-être, pleine conscience, créativité, évasion. Voilà, c'est créer du temps pour soi. Donc, dans ce numéro 5, on a vraiment des choses très belles au niveau du sommaire. Et je viens de penser à Philippe et Amel, parce qu'à la page 58, nous avons le mystère des cristaux, avec chaque minéral énergie magique, et la numéro 62, potager d'appartement, déguster des haricots faits maison. Donc même pour vous, il y a du choix. Et pour Silvano, voilà, ça c'est la question. Qu'est-ce qui pourrait te plaire? Alors, est-ce que tu bois du thé, Silvano? Est-ce que ça t'arrive de boire du thé? Bien sûr. Voilà. Alors, ce que je disais tout à l'heure, pour les cristaux et le potager, c'est l'art de vivre. Les bienfaits du jeûne, c'est pleine conscience. Et le charme subtil du thé, c'est évasion. Voilà. Pour pouvoir prendre une pause. Et ce qui est très sympathique, il y a une jolie phrase que j'ai beaucoup aimée et qui dit tout simplement, alors je ne sais pas si elle est là, est-ce qu'on va la trouver? Alors voilà, dans la vie, la gravité d'une situation est diminuée de moitié après une bonne tasse de thé. Et c'est un proverbe anglais. Voilà. D'accord. Alors après une bonne tasse de thé, ben, la situation est diminuée de moitié. Et pour moi, j'ai choisi alors, quelque chose qui m'a vraiment beaucoup, je ne sais pas, ça m'a inspirée, c'est Sauver la Grande Bleue. Alors... Et il y a un magnifique, il y a une vraie personne qui s'appelle
Alors, je vais retrouver son nom, Only Prinsloo, et qui fait simplement, elle est dans l'eau, et elle respire naturellement. Elle n'a pas besoin de quoi que ce soit, elle se plonge dans la mer, et voilà. Elle a fait ça d'une façon vraiment avec beaucoup de... Je trouve que les images, bon, ça dégage déjà un bien-être incroyable. On a l'impression de nager avec elle, on a l'impression de se plonger avec elle. Alors c'est assez magnifique, comme si le temps s'arrêtait. On était là avec elle et en train simplement d'être en contact avec l'eau, les éléments, les êtres vivants. Il y a le silence, il y a le bien-être et là on peut se poser et c'est extraordinaire. Là c'est vraiment un voyage à l'intérieur de soi, dans tout ce que ça peut représenter, la mer, l'océan et tous ces êtres extraordinaires. Donc il y a la raie, il y a le dauphin-baleine, plutôt la baleine, les requins, voilà. Elle a aussi beaucoup fait de choses avec les, bien sûr, toujours avec les dauphins. Et elle-même, elle fait énormément de choses très, très belles parce qu'elle a beaucoup à cœur, bien sûr, l'océan, l'eau, la mer, voilà. Donc, et puis elle agit aussi en faveur des enfants. Donc, elle va faire beaucoup de choses par rapport à ça. Elle travaille beaucoup. Donc, elle a décidé de combiner à partir de 2010 son amour des mers à ses aspirations sociales. Elle a mis en place une organisation à but non lucratif baptisée I am water, donc je suis l'eau. Et ça, c'est très, très beau pour la conservation des océans. Elle est partie aussi à la recherche d'elle-même et pour transmettre ça à d'autres, pardon, à d'autres personnes. Donc, tout ce qu'elle fait, c'est avec beaucoup d'amour, de bienveillance, de compassion et d'humanité. Et voilà, on va découvrir son article. Alors, c'est écrit beaucoup de choses dans cet article-là. Je vais vous laisser découvrir pour pas tout lire parce que c'est pas le but, mais c'est en tout cas pour vous donner envie d'aller voir cet article qui est à la page 40 de ce magnifique magazine. Et avec elle aussi, il y a une autre femme qui aime la mer par-dessus tout et qui est Sylvia Earle et qui, elle va faire beaucoup pour que la conscience humaine se réveille, pour que la conscience humaine se rende compte à quel point nous avons besoin de respecter aussi les océans, la terre entière et préserver ce capital parce que c'est très important. Elle a commencé en 1953 à se plonger avec le tuba, hein, avec un tuba, pardon, et à réaliser donc vraiment qu'il y avait dans la mer autre chose que des voilà, que les poissons, c'était pas uniquement du beurre et du jus de citron, mais voilà, c'était des êtres extraordinaires et vivants. Et depuis, elle milite vraiment en faveur des océans parce qu'elle dit dans les générations futures, ils ne comprendront pas pourquoi on n'a rien fait pour sauver cet écosystème-là et puis pour vraiment préserver cette belle planète. Elle a bien raison, voilà. Donc, elle mobilise beaucoup de choses et c'est très, très important. En tout cas, pour moi, je pense que c'est comprendre que nous sommes vraiment dépendants aussi, nous sommes tous reliés et que nous avons vraiment besoin de comprendre ça, d'ouvrir notre cœur, notre esprit et que nous sommes ici peut-être de passage. Mais nous pouvons laisser une empreinte très importante, serait-ce même d'envoyer une pensée d'amour à la mer, de temps à autre, si nous sommes en train de méditer, d'avoir une pensée pour toutes ces espèces qui sont vraiment là avec nous, dans leur cœur, et qui sont aussi importantes parce que nous ne pouvons pas faire semblant que nous sommes les seuls habitants de la Terre, l'espèce humaine. Et nous avons aussi aujourd'hui nécessité de nous relier au cœur des océans, au cœur des êtres qui peuplent ces océans, en envoyant des pensées d'amour, de lumière, des pensées vraiment pour les accompagner lorsqu'ils vivent aujourd'hui, parce que ce n'est pas facile pour eux. Voilà. Pour moi, ça, c'est très important. Donc, si nous pouvons le faire, c'est merveilleux. C'est un acte d'amour inconditionnel aussi envers eux. Ils en ont bien besoin. Voilà. Et d'ailleurs, si vous êtes sensibilisé par la cause océane, on va dire, moi je vous invite à vous rendre, si vous ne connaissez pas encore, ce qui m'étonnerait, sur le site de l'association SeaShepherd.fr, voilà, et vous retrouverez toutes les actions qui sont menées pour la lutte contre la dégradation de nos océans. Voilà. Car je pense qu'effectivement, les générations futures, de toute manière, nous détesterons tous par rapport à ce que nous sommes en train de faire de la planète. Voilà. Ok, et eh bien écoute, merci Aurore. De toute manière,
Cette revue, j'ai l'impression que c'est un pavé, parce que je viens de regarder dans le sommaire, il y a 43 sujets. C'est juste énorme pour un magazine. Il y a vraiment de quoi faire. Moi, j'ai là encore en parler pendant moins une heure de temps. C'est pour ça que je t'arrête. Ceci dit, il y a un chapitre, dans le chapitre créativité, il y a un chapitre qui s'appelle Bienveillance avec soi-même, qui ressemble énormément aux petites bulles que tu nous fais, les bulles d'aurore. Voilà, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de découvrir les bulles d'aurore, rendez-vous sur Miasme TV, Aurore a sa rubrique, où vous retrouverez ces bulles. Voilà. Eh bien voilà, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on retrouve immédiatement Dino, que j'ai déjà enregistré, et qui va nous parler des mythes et légendes du Canada et du Québec. Et puis ce soir, tu voulais nous parler, je crois, de chamanisme. Voilà, bah, je ne vais pas faire forcément un gros exposé sur chamanisme, mais je voulais donner un peu un point de vue de ce qui se passait au Québec ces derniers temps, puis ce qui s'est passé ces dernières 50 années, assez brièvement. Bah, je voulais d'abord expliquer qu'un chaman en Amérique du Nord, au Québec, c'est un homme médecine, c'est un homme qui est là pour tenter de déclencher l'auto-guérison chez les gens par des rituels, par des procédés, par beaucoup de dialogue aussi, c'est beaucoup de la mise en confiance, de la mise en situation, c'est des petites épreuves, c'est très ludique en général comment les chamans abordent les gens. Et mais malheureusement, ça a disparu quasiment presque entièrement en fait du Québec sous son essence pure, c'est-à-dire sous le vrai chamanisme en fait, puisque on note depuis une trentaine d'années, surtout par l'impulsion d'un Américain, Michael Arner, du néo-chamanisme en fait. C'est comment on pourrait expliquer ça? C'est essayer d'initier les gens aux principes du chamanisme. Donc c'est quand même louable. Mais le problème face à ça, c'est que un chaman, ça s'initie pas parce qu'il en a envie en fait. Et c'est là tout le problème. Ça dénature complètement l'esprit chamanique véritable en fait. Parce que normalement, un chaman, il est choisi dès l'enfance. Alors soit c'est inné chez lui, soit c'est les gens qui se rendent compte qu'il a certaines capacités d'interaction avec la nature, etc. Ensuite, il y a le conseil des sages de la tribu qui va donner son aval, et en dernier lieu, c'est les femmes de la tribu qui le reconnaissent en tant que chaman. C'est intéressant là ce que tu viens de dire. Alors, en dernier lieu, ce sont les femmes de la tribu qui le reconnaissent. Je pensais pas avoir besoin. Ce sont les femmes qui tranchent. Oui, mais bien sûr, c'est la culture presque d'une manière presque totale dans toute l'Amérique du Nord. La culture amérindienne de base est matriarcale. C'est une des dernières. Tu t'imagines si, je sais pas, dans en France par exemple, allez, on va élire, je sais pas, par exemple un maire ou quelqu'un, et puis au final, ce sont les anciennes du village qui avalisent l'élection. C'est encore autrement, c'est même encore voir la chose d'une autre manière, parce que là, tu dis, tu vois, on élit un maire, mais eux, c'est pas ça. La plupart du temps, dans les tribus amérindiennes, c'est pas quelqu'un. Parce que quand tu dis on élit quelqu'un, ça suppose que la personne avait une volonté de pouvoir. Elle avait une volonté de pouvoir, donc elle s'est présentée pour être élue. C'est pas comme ça que ça marche. La plupart du temps, dans les sociétés amérindiennes, c'est on le désigne, on le reconnaît. C'est pas lui. Même là, souvent, il n'a pas envie. D'ailleurs, c'est mieux. S'il n'a pas envie d'être chef, c'est qu'il va être un très bon chef. Parce qu'il va s'en occuper de manière neutre et propre à chacune des membres de sa tribu en fait. Donc ça, oui, ça fonctionne comme ça. C'est les femmes qui en général transmettent en fait. C'est les femmes, ou alors les sages, ou alors les chamans, les hommes médecine. Mais oui, c'est une société qui est tournée c'est pas du matriarcat pur, mais parce que les hommes ont quand même une certaine position aussi dans la société, mais je veux dire, c'est très ancré, t'as la femme, mais c'est la chef de la maison. Ah oui. Moi, ça ne me choque pas parce que... C'est intéressant. Je suis un peu sicilien et en fait, on aurait tendance à penser que les Siciliens, c'est des machos, mais maman... Non, c'est la maman qui... C'est ça, c'est la maman. Elle, la chef, c'est maman, la chef, c'est pas papa. Donc, moi, ça ne me choque pas, je trouve ça très, très sain, très naturel comme façon de voir les choses. Oui, donc en fait, mais c'est quand même assez dramatique parce que finalement, le néo-chamanisme, ça perd de l'essence en fait. Donc c'est bien parce que ça permet dans un sens de préserver la culture
amérindienne sous certains aspects, mais en fait ça fait perdre l'essence du chamanisme, et en fait il y a très peu de gens qui pratiquent concrètement le chamanisme en fait. Même les même des descendants d'amérindiens, hein, je veux dire, même des gens qui sont tentés d'être initiés, mais le problème c'est que si tu n'as plus de sage qui connaît exactement comment ça fonctionne, bah, tu vas avoir certaines connaissances, mais il te manquera l'essentiel. Et donc je voulais un peu parler de ça, en fait expliquer aussi que qu'en fait, ben, il y a des écoles modernes au Québec. Donc, il y en a une à Montréal, une à Québec. Donc, c'est quand même assez intéressant. C'est des gens qui ont suivi les écrits de ce monsieur, de monsieur Michael Arner, et qui ont fondé ces écoles. Donc, ils ont des accréditations, en fait, entre guillemets, même si c'est un chaman blanc. C'est quand même un homme qui a été reconnu par des chamans amérindiens de certaines tribus, en fait, parce que c'est un anthropologue au départ qui a... C'est ça qui s'est beaucoup intéressé au chamanisme et qui est rentré en contact avec certaines tribus et qui a été initié. Donc, comme il le dit lui aussi, et comme je l'ai dit aussi au début, on ne se nomme pas, on ne se dénomine pas chaman. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est les autres qui te reconnaissent. Donc, c'est un peu comme les médiums aussi, normalement. Les véritables médiums en Europe, normalement, c'est pas toi qui décides, bon, ben, tiens, demain, je vais être médium. Ça se fait tout seul. C'est un peu le même principe. Donc, il y a beaucoup de ces... de ce principe et de ce précepte dans ces écoles. Donc, c'est quand même bien pour ceux qui veulent se rapprocher de la nature, pour ceux qui veulent se rapprocher d'eux-mêmes aussi, essayer de faire un voyage initiatique intérieur et personnel, ben, ça peut être intéressant. Alors, moi, je ne suis pas mandaté par eux, hein, donc je ne vais pas donner les prix, les horaires, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même abordable, pas très cher, et que c'est mis à la disposition de tous. Alors, ben, je peux donner par exemple certaines missions et apprentissages qu'on peut retrouver dans ces écoles. Donc, en premier lieu, c'est grâce à la musique. Donc, parce que ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que le chaman, c'est beaucoup lié au son, que ce soit au son de la nature ou au son pratiqué par l'homme, donc, c'est-à-dire soit dans le langage, soit dans le chant, ou soit dans les instruments de musique. Très généralement, c'est le tambour. Donc, en fait, ben voilà, donc par exemple, un des programmes, c'est voyager au son du tambour pour atteindre l'état de conscience modifié. On a aussi trouvé son lieu de pouvoir, trouver quel endroit on se sent le mieux, quel endroit on est capable de ressentir. Parce que c'est vrai, il y a suivant la personnalité et suivant les gens, on ne ressent pas les lieux de la même façon. Il y a des lieux où on se sent mieux, il y a des conditions, un environnement. Ce n'est pas forcément un lieu précis à telle place, exact. Non, c'est plus quel environnement autour de toi te correspond le mieux. Repérer les animaux de pouvoir aussi, parce qu'il y a les animaux totems, il y a les animaux pouvoir, c'est-à-dire un animal totem, c'est un animal qui va te protéger, mais un animal pouvoir, c'est un animal qui va te permettre, si tu es dans cette démarche initiative, de capter ce que lui peut te donner. C'est comme un échange, en fait. Il y a aussi la rencontre avec les alliés dans le monde, donc dans le monde chamanique, donc les esprits de la nature, les quatre éléments, les animaux totems, les guides, les guides spirituels, etc. Puis les gens, les humains vivants aussi, qui peuvent, même sans le savoir, nous apporter des éléments de réponse ou une certaine vibration, une certaine onde, un certain pouvoir. Essayer aussi de faire les extractions des énergies non bénéfiques. Donc, c'est pas forcément des énergies mauvaises, mais c'est des énergies qui vont parasiter, en fait. Alors, ça peut aller vraiment dans toutes les sortes d'extraction d'énergie. Mais en tout cas, la plupart du temps, c'est par la méditation ou par certains rituels, un son qui revient souvent ou une phrase, etc. Après, c'est très, très, très différent suivant les peuples. Hein. Moi, je parle pas du chamanisme dans le monde, je parle du chamanisme au Québec, ce qui est quand même, comme je dis, chaque région du monde a sa perception du chamanisme, même s'il y a des préceptes qui reviennent. Et... il y a aussi, alors ça par contre, je ne sais pas ce que c'est, la psychopompe. Je pense que ça doit être un moyen de se purifier, ça aussi. Parce que je n'ai pas trouvé l'explicatif dans le site de l'école. La connexion aussi, essayer de reconnecter avec son âme, essayer de retrouver en fait cette énergie qu'on a en nous, que chacun a en nous. Bien entendu, l'art ou médecine, c'est-à-dire parce qu'au départ, un chaman, c'est un homme médecine, hein, c'est un guérisseur, la plupart du temps. Donc, c'est ça, apprendre à aborder la roue de médecine, en fait. Alors, suivant les écoles et suivant les professeurs qu'il y a dans l'école, la
la façon dont on apprend ces éléments-là est différente, puisque chaque personne a un voyage initiatique personnel. Donc, on peut pas se. Enfin, c'est pour ça que ça dénature le chamanisme, mais c'est très intéressant quand même d'apprendre les préceptes. C'est pour ça que c'est tiraillant, en fait, parce que c'est un peu dommage en même temps, parce que ça sauve la culture, mais ça détruit le chamanisme pur. Parce que ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Hein. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'ils apprennent, c'est des bêtises, mais c'est un peu du fake chamanisme. Mais bon, c'est tranchant parce que c'est quand même intéressant. Alors, fake chamanisme ou pas. C'est moi qui dis ça. Hein. Oui, mais si on réfléchit, effectivement, comme tu dis, ça sauve la culture. Et peut-être qu'une fois que tu es dedans, tu t'aperçois que c'est pas du tout fake, et au contraire, ça permet. Il n'y a peut-être pas de réelle différence. Oui, en fait, c'est vrai que le mot est trop fort. Le mot que j'emploie est trop fort. C'est plus. Ça dénature un peu. Ça dénature un peu l'essence du chamanisme. C'est ça que je voulais dire. Oui, exemple, c'est moins tribal. C'est moins authentique. C'est plus. Alors, tu peux arriver à des résultats similaires, mais je veux dire, rien ne remplacera une véritable médecine qui a été désignée, en fait. Hein. Donc après, il y a ceux qui croient en la spiritualité ou pas, mais quand tu es désigné, bah, c'est au-delà de ton contrôle, donc c'est sûrement... Ouais. C'est pas, c'est bon, de toute manière, s'ils n'ont pas des plumes sur la tête, c'est pas des vrais chamans. Ouais, voilà. Je voulais donner un exemple, en fait, c'était assez touchant, je trouvais. Il y a un film qui a été fait par une université canadienne, en fait, ben, québécoise. Donc, c'est un film universitaire, je ne l'ai pas recherché tant que ça sur Internet, donc je ne sais pas s'il existe encore. Mais le témoignage de la personne était touchant. C'est un chef de village, un leader inuit, en fait, de la région de l'Inukjuak. Il s'appelle Charlie. Et le film s'appelait « Où est Charlie ?» parce qu'en fait, c'est quand même le leader de son peuple, et il était très peiné et très attristé. Il était en manque, en fait, de savoir l'origine de son peuple, parce que, comme je l'ai dit brièvement tout à l'heure, les Amérindiens purs, de pure souche, qui habitent encore dans les régions qu'on les a autorisés à avoir, ils sont dans la misère, en fait. Hein. Ils sont très loin de leurs origines. Ils perdent leur culture, ils perdent leur terre, ils perdent leurs enfants, parce que tout le monde va vivre dans les mégalopoles, dans les métropoles, etc. Et donc, en fait, c'est dramatique, la situation là-bas. La drogue, la violence, les suicides, la pédophilie, le chômage. Enfin, c'est assez miséreux comme endroit. Et bon, comme surtout les Inuits, hein, les Amérindiens en général, mais comme les Inuits ont construit toute leur société sur le chamanisme en tant que tel, s'il n'y a plus de chaman, il n'y a plus de culture, il n'y a plus de nation, il n'y a plus de peuple, il n'y a plus de repères, et puis c'est des gens qui en manquent cruellement. Et cet homme-là, en fait, est parti, via des contacts, est parti au Pérou, dans la nation Shipibo, dans l'Amazonie, en fait, et il s'est fait initier. Par cette tribu et par ce peuple-là. Donc moi, je trouve ça assez intéressant, parce que d'habitude, on voit toujours des Blancs européens, occidentaux, venir découvrir le chamanisme, etc. Là, c'est carrément un autochtone, un Inuit, qui décide d'essayer de sauver son peuple et de partir au Pérou, retrouver les racines, en fait. Donc, parce que même si chaque pratique du chamanisme est différente selon les régions, il y a quand même des choses qui reviennent, et il y a quand même une énergie principale, le Great Spirit, c'est pas rien. Et je trouvais ça touchant, cet homme qui a passé énormément de temps là-bas à essayer de retrouver sa... Je trouve ça paradoxal, en fait. Il est parti de chez lui pour retrouver ses racines. C'est assez intéressant. Et en fait, depuis, il est retourné chez lui, et son objectif, lui, c'est d'essayer de partager son expérience aux gens autour de lui, et puis d'essayer de remettre au goût du jour un peu l'esprit chamanique des Inuits, parce que ça va leur permettre... de s'adapter à ce mode de vie, puisque clairement, en plus dans le Nord, c'est assez pernicieux et vicieux, parce que toutes les entreprises, les nouvelles entreprises de minières, etc., gages de schiste, etc., ils vont tous s'installer là-bas. Donc en plus, ils sont comme enclavés dans un territoire où il fait très froid, où c'est la Radisoni, le Nunavik, là où il y a la plupart des Amérindiens, en fait, Inuits. Et bon, c'est la glace, quoi, hein. Il fait froid. Hein. Et en plus de ça, ils n'ont pas les ressources naturelles. Ils ont des difficultés pour travailler, pour s'intégrer dans ce milieu-là. Et donc, lui, par le chamanisme, essayer de,
de leur refaire retrouver une dignité, puis essayer de comprendre aussi comment, parce qu'il y a des tribus hein, dans le reste du monde qui arrivent en fait à refuser entre guillemets la modernité, tout en étant obligés, parce qu'ils n'ont pas le choix, hein, si on veut survivre, on est obligé de prendre un peu quelques aspects de la modernité, mais essayer de s'en éloigner le plus possible et de garder et retrouver l'essence qui faisait de eux un peuple à part entière. Parce que je pense que les gens peu informés ont tendance à imaginer qu'en fait, il n'y avait pas tant que ça d'Amérindiens en Amérique quand les Blancs sont arrivés, mais ça se compte en des milliers et des milliers de tribus différentes, de peuples différents, avec des coutumes, je veux dire, ça ressemble, moi ça me fait penser à la France, parce qu'au début, quand je suis venu au Québec, je me suis dit, c'est très grand, ça fait très froid, puis de ce qu'on nous explique, il y a quelques tribus à droite, à gauche, mais avant les Blancs, c'était comme la France, hein, je veux dire, on faisait 50 km et c'était quelque chose d'autre, ça n'avait rien à voir. Parce que c'est beaucoup le défaut, le défaut, je ne sais pas si c'est un défaut, mais c'est souvent ce qu'on reproche au Québec ou au Canada quand on voyage, c'est qu'on fait 200 km, 300 km, on voit toujours la même chose. Mais ce n'était pas le cas avant. C'est les Blancs qui ont rendu ça froid, stérile et neutre. C'était bien plus animé, c'était bien plus chargé en culture que ce que c'est aujourd'hui. Je trouve que la culture américaine, après c'est mon point de vue, hein, mais la culture américaine a appauvri la culture autochtone en fait. Et c'est ça. Comme beaucoup de cultures, de gens prenant place sur des terres qui ne leur appartiennent pas ancestralement. C'est ça, tout simplement. Allez, dernière question, Dino. Oui. Si tu avais pu, tu aurais été chaman ? Franchement, je pense que non. Je pense que non, j'aurais laissé ça à des gens moins impétueux que moi. Je pense pas avoir le... Je suis très intéressé par le chamanisme, je trouve ça très intéressant. J'aurais peut-être été un assistant, mais je ne serais pas devenu chaman parce que je pense que j'ai trop de feu en moi. J'ai trop de feu en moi. Pour être, je ne suis pas assez sage et calme. J'ai l'air en apparence, mais je ne suis pas. Je pense que c'est quelque chose qui est inné. Je pense, hein, c'est ma vision du chamanisme, je pense que c'est quelque chose qu'on ressent au plus profond de soi. J'ai eu des contacts médiumniques, entre guillemets. J'ai déjà été très intéressé et j'ai eu des amis autour de moi qui pratiquaient le médium, mais je pense pas être... Moi, je suis plus peut-être un réceptacle, à la limite, plus qu'un exécutant, pas un exécutant, plus qu'un envoyé direct, parce que c'est quelqu'un de nommé, de désigné par la nature, en fait, un chaman. Moi, je pense pas que je sois désigné par la nature. En tout cas, c'est ma façon de voir. En tout cas, tu aurais été un très, très bel homme tambour ou homme guitare. Oui, oui, sûrement. Des chants, oui, pratiquer les chants autour du feu parce qu'il y a des rituels. Le chaman fait des rituels de son côté, mais la communauté, la plupart du temps, est mise à contribution, je veux dire, parce que juste l'énergie d'un homme, c'est pas forcément suffisant suivant ce qu'on demande, suivant ce que la nature demande. Donc oui, j'aurais sûrement participé, j'aurais pratiqué le chamanisme, c'est certain. Mais être chaman, je crois pas. Humblement. Ok. Bon, bah, écoute, Dino, on te remercie là, pour cette exploration en terre inconnue. Du côté du chamanisme québécois. Les amis, écoutez, on a fait le tour pour ce soir. Voilà. N'hésitez pas à vous rendre sur Miasme TV, voilà, découvrir l'ensemble des émissions. Il y a, je crois, 199 émissions sur la chaîne. Ça commence à faire, c'est un joli nombre. Et puis aussi, vous pouvez nous soutenir, ne serait-ce que même 2 € par mois, ça suffit si vous êtes suffisamment nombreux pour pouvoir nous aider à acheter du matériel, à améliorer la qualité technique, etc. Et puis, voilà, à avancer, à nous aider à construire cette chaîne qui est Miasme TV, l'information contagieuse. Allez, ciao ciao, et puis rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.